Maintenant, l'île des pétrels. Et enfin, la base du mont Durville. Sous le regard fixe des manteaux, le travail va enfin pouvoir commencer. Sur la terre ferme.
est prévu pour faciliter au maximum la manutention et le gain de temps. Le carburant, conditionné en bidon de 20 litres, les bâtiments préfabriqués et les caisses portables par un homme seul, à quelques exceptions près. Pour les fardeaux plus importants, les Wiesel seront largement employés, comme ici pour sortir de la chaloupe et déplacer des bidons de 200 litres. S'effectue en cargo sling sur de courtes distances. Parfois nécessaire de faire un décollage glissé pour emporter la charge.
ciel bleu au plus violent des guitares. Sur la banquise et ce seront les dernières images de la première expédition française dans l'Antarctique. Lors du départ de la troisième expédition, les amis furent nombreux sur le quai de départ. D'expédition, M. Merle. Les hélicoptères Jean sont stockés dans ces deux grandes caisses à la poupe du navire. Le docteur Dijon, médecin de l'expédition. Thank you.
Thank you.